Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis avec le Paris Saint-Germain féminin. Elle s'apprête à décoller pour Londres. Demain, c'est leur quart de finale contre Chelsea. Allez, suivez-moi. Et voilà, on est au stade Kings Meadow. Les filles ont commencé leur entraînement. Je vais aller demander le programme à Bernard Mendy, l'entraîneur adjoint. Alors le programme ce soir, c'est un peu de mise en route avec l'échauffement et après un peu de travail technique pour histoire de prendre nos marques sur un terrain qu'on ne connaît pas du tout. Est-ce que tu penses que les filles ont besoin de ces repères-là pour le match de demain ? Oui, on en a besoin forcément pour voir un petit peu l'environnement, même si ce ne sera pas le même forcément demain puisqu'il y aura du monde. C'est bien sûr de prendre ses marques, veille de match, toujours veille de compétition, de venir sur le terrain, voir l'état du terrain aussi, c'est important. Et puis voilà, essayer de prendre vraiment ses marques. Ça monte en puissance tranquillement. On se retrouve tout à l'heure. Merci Olivier. Maintenant, tu sais un peu le programme, tu vas te mettre dans ta bulle. Ce soir, on va surtout récupérer, bien boire. Et petit à petit, demain, après le réveil, on va se mettre à fond dans le match. Salut à tous, on est le matin du match, les filles viennent de sortir de vidéo, elles sont en train de faire leur petite balade. Ensuite, ça sera repas, sieste, causerie et direction le stade. Je suis avec Alexandre Janin, le team manager. C'est toi qui connais l'équipe avant tout le monde. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Allez, on y va, on va la donner au coach, non ? Comment ça va ? Formiga, tu connais bien, elle représente quoi pour toi ? Pour moi, ça représente le début du football féminin au Brésil. Et on a besoin de valoriser ça. Des personnes comme ça qu'on a besoin de valoriser. Comme le football féminin, on a besoin de valoriser beaucoup aussi. À l'entraînement, je prenais des coups. C'était une pierre. Formiga, elle... Mais toi, tu es fragile, toi. Elle est costaud, mais toi, tu es fragile. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est Paris Saint-Germain, enfin Chelsea Paris Saint-Germain. Oui. Ça fait bizarre pour toi? ça fait plus bizarre quand je suis dans le terrain et j'ai déjà joué pour les deux équipes dans le terrain. Mais déjà là, j'ai d'amour pour les deux clubs, pour les deux institutions. Je pense que ce soir, c'est une soirée spéciale pour tout le monde. Parfait. Obrigado. Merci. Merci, grosse tête. Je suis avec Ashley. Du coup, Ashley, un peu décevant ce soir. À ton avis, qu'est-ce qu'il a manqué ? Pour moi, c'est juste la dernière geste. Je sais que c'est le haut niveau et ce n'est pas facile de créer les occasions. Mais pour nous, on a les attaquantes avec les qualités. Et pour jouer au stade Jean Blanc avec nos supporters, ça va être très bien avec l'ambiance. Ça va être beaucoup mieux pour nous. Mais encore, c'est pour nous de rester concentrés dans notre match. Et pour gagner cette match mercredi. Hello, je suis au centre d'entraînement. J'ai retrouvé les filles. On est entre les deux matchs. Après un match compliqué à l'extérieur contre Chelsea, les filles se préparent pour un match retour qui aura lieu mercredi à Jambouin. Je vais aller faire un petit point avec le médical pour savoir si toutes les filles sont opérationnelles. Et après, j'irai voir le coach pour savoir comment il prépare ce grand rendez-vous. Je suis avec Pierre, préparateur physique. Qu'est-ce que tu me prépares pour tout à l'heure ? On se rapproche du match, donc on va essayer de mettre un peu de vitesse et d'enthousiasme. Voilà. On va mélanger tout ça. We'll be right back.
Bon, je vais retrouver le docteur, je vais faire un état des lieux. Salut vous ! Comment ça va ? Quelles sont les nouvelles ? Que des bonnes nouvelles, elles sont toutes sur le terrain. Gwen, pareil pour toi, les filles, ça te paraît ok, Ami ? Et oui, Paulina aussi, elle a repris avec son adduc. Pao a repris et là, elle est sur le terrain, elle reprend normalement, il n'y a aucun souci. Vous devez fixer à peu près aujourd'hui qui sera apte ou pas, ou vous attendez vraiment le dernier moment ? Non, aujourd'hui, ça sera connu, on est à 2 jours du match, donc il faut qu'aujourd'hui, tout soit fixé. Il faut que tout le monde soit apte aujourd'hui. Pas de pression, les amis. Bien les soins, la magicienne, elle est là. Comment on se prépare quand après un match un peu raté? Et toi, comment tu te sens? Bah écoute, on se prépare bien, on sait qu'on a fait un peu n'importe quoi, on n'a pas fait un bon match. Là on a payé pour ça, mais on a une autre chance, on a un autre match qui peut nous apporter un bon victoire sur le Stade Jean-Bouin avec tous les supporters qui viennent. L'objectif c'est de bien réagir surtout, c'est ce qui va être important. Et comme on a dit, le mot d'ordre ça va être ensemble, c'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Et ça va passer par une très très grosse performance collective. On est invaincu chez nous jusqu'à présent, Jean-Bouin nous réussit plutôt bien. Donc je pense que le 12e homme va être très très important. Donc rendez-vous mercredi avec le 12e homme à Jean-Bouin. Merci coach. Voilà, l'instant l'or est terminé. J'étais contente et très fière de vous faire partager l'environnement des féminines. Les filles ont conscience d'être passées un petit peu à côté de leur match aller. Elles ont la volonté de tout donner sur leur match retour. Donc on se donne rendez-vous à Jean-Bouin. Venez nombreux. Ciao. Abonnez-vous au canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscrivez-vous au canal de YouTube Paris Saint-Germain.